classique. Semi ou final? C'est les semis. Yes, sir! T'es sûr? C'est les semis. Parce que les losers final, c'est contre Big Fish. Ah, oh, Doom étant A. Je sais prank. C'est pas Dominique. Oh, le gentleman transformation. Aïe, aïe. Hey, c'est le premier outil que quelqu'un porté là depuis un sacré bout. Ouais, pis. On va voir s'il est looking good. Oups. On va voir s'il est looking good. Contre Big Fish, ça a fini 3-2, donc déjà là, je pense que c'est un match-up qui gagnait avant de partir en break. Mais. Ouais. Ouais, je pense qu'il y avait pas mal de numéros. Olipak. À Big Fish, je veux dire. Oui. Oui. J'ai tellement envie de juste dropper le numéro à Big Fish pour le Ducks Live. Hey. 418-551-2325. Tu peux doxer son adresse ici. 6055 Avenue du Costa Belle. Oh boy. 32 ans. Fait qu'à mon avis, à la place de regarder, peut-être texter genre pour ton arrêt, je vais juste faire regarder ce game-là. Oh, le Ring of Shine. Je tiens à dire que c'est pas des vraies informations, c'était purement une blague. Il vient de me faire un clin d'œil. T'as-tu déjà rencontré quelqu'un qui est pas capable de faire de clin d'œil? Oui. C'est quand même spécial, hein. Ouais. Une juste de voir la personne struggle. Ah oui, excuse. Ben oui, je connais une personne qui est pas capable de fermer un œil à la fois et elle travaille avec des microscopes. Elle travaille avec des microscopes? Oh non, fait genre. Ouais. Fait qu'il faut vraiment qu'elle cache son œil. Oh mon dieu, c'est très ça. Oh! Fait qu'une des blagues que je faisais le plus souvent, ben à chaque année, chez vous qu'on recommençait genre une année scolaire, elle rentrait juste après moi dans l'autobus, fait qu'elle arrivait puis je faisais un petit clin d'œil. Oh non! Puis après, je vais juste mettre ma main devant mon œil. Oh, ça c'est fucked up! Addison. Aussi fucked up que Stage Guard là, man. C'est tout simple. J'ai pas regardé. Ça a été un espèce de genre F-tilt backer or some shit. Oh, oui, là, up air. Dude, aucun DI sur le up throw, aucun DI sur le up air. Ouais. Juste tellement cool ça, là. Fait no DI up throw. Ah, gratuit. Mais il y a des fois un petit peu tricky, faut que tu fasses un petit short up puis après ça un full up, là, mais bon. Ah ouais? Ben moi c'est un de mes trucs pour avoir mes hits, là, mais. Sur certains personnages. Mais c'est très rare. Oh! Moi je fais juste double jump aussi vite que possible. Ouais, y'a ça. Mais je fais peut-être que je fais un short up puis je m'en rends pas compte. Là. Ouais, y'a peut-être ça. Et très even comme match-up, hein? Non, c'est pas mal, oui. Oh le shine spike! Ah, oh, qu'importe qu'il essaye de chercher le up air pour ouais. Whiff punish le up air. Oh! On y allait pour le up air. On le miss. On a fait un miss smash. Y'a-tu fait un pire? Je pensais même pas qu'il y avait ouais, un pire. Ouais, clairement essayé un pire. Parce que ce serait très qu'importe de juste atterrir sur le stage et faire un smash, là. Oh. Ouh. Oh, beau wake-up shine. Y'a une chance que le shine à Fox est immense. Heureusement que c'est framer invincible. God, I hate this character. Ouais. Je te dis, man, si j'avais à faire des ajustements à melee pour qu'il y ait plus de personnages ouais, viables, là. T'enlèves le. Shine, ça, shine moi, ce serait 3 à 5 frames de startup, ce serait pas invincible. 3 à 5 frames? 3 frames de startup, ça sentirait pas tant, pis ça rendrait les situations de tech chase pas mal plus faciles pour le monde qui joue contre Fox. Ben, il se fait exploser. C'est ce que j'ai comme tech chaser Falcon. Ben, c'est pas si pire. Dis-toi que c'est la même chose pour quand tu joues Sheik, pis Sheik pourtant son jab est frame 2. Moi, je mettrais son chaîne frame 2. Frame 3, ouais. Frame 3 ou c'est une guerre civile? Mais c'est sûr que j'enlèverais la protection de. Tout simplement du shine là. Parce qu'il y a des fois que mon shine il va clank, pis je suis comme. Hey, je suis chanceux. Eh oui, c'est le fun. Admettons le forward smash de Mark qui arrive, pis il clank sur ton shine, pis juste. Wouh! Ah, la ouais. Mauvaise option, pis j'ai survécu quand même, pis je peux le punir. Ça c'est fucked up, man. Fait que première game remportée par Olip. Qu'importe. Alors, on va sur FD en counter pick, je supporte ça. C'est quand même un excellent counter pick. Ça ou FOD à ton choix là. Je trouve que BF est plus orienté pour Sheik. Ouais, parce que Fox peut pas glide sur le mur pour exactement. Recover. Exactement. Puis les plateformes sont tellement une belle hauteur pour Sheik là. Quoique le ceiling de FOD est un petit peu plus haut, fait que ça dépend vraiment de ton style de jeu. Mais les plateformes de Battlefield c'est vraiment peak Sheik stuff là.
petit reversal edge guard, Holy Pipe qui throw in stock qui aurait pas du throw. Ouais. Mais quand même, je tiens à dire que sur BF, Fox peut revenir de l'autre bord sur certaines situations. Ah ouais, mais ça c'est pas important. Ben oui, c'est important. Tout est important, Milly. Oh! C'est-tu un fantôme, ça? On a pas eu une idée. Oh oui, beau appel. Oh! Oh! Oh oui! Oh oh! Étrangement, il fallait juste qu'il run up, full up, falling up. Ouais. Ben, il aurait pu faire un run up, short up. Oh! Mais bon, on se reprend bien. Alors, qu'importe, il est back in action. Oh! 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 Dude, c'est tellement. C'est littéralement le weak hit combo incorporated. Oh! 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 Cat up air! Oh! Qu'importe, il voulait le 5ème pour le Twitter clip. Ouais. Tu sais, quand ton upper se combo avec un autre upper, puis un autre upper, puis un autre upper, et un 5ème upper, tu sais que le jeu est malade. Qu'importe, il a attendu ça un peu trop pour. Ah, ça, c'est la mort! Ça en va loin, hein, cher? Eh oui. Puis Holy Pipe qui avait starté pourtant cette game-là avec un lead qui se commence maintenant en déficit d'un stock. Ouais, mais c'est Fox contrôlé par. Oh! C'est pas fini. Ouais, c'est pas ça devrait être un edge guard. Oh non! Je connais mon qu'importe. Oh! Oh! Oh, le wave dash out of shield pour aller essayer de punir le. Oh oui, le up air pour punir le dash attack. Ouf! Oh oh! Un autre? Oh oui! Pas assez pour tuer. Oh, brillant! Ouh, très avec bien ça. Pensé. Oh oui! Puni le no-tech avec le smash. Ben, je pense qu'il était même pas encore atterri. Mais on a vu, okay. On a vu le vert. Ouais, ouais, je suis pas sûr. Moi, là, de ce que j'ai vu, il était pas encore atterri? Hein? No tech, on va dire no tech. No tech. No tech. Mais il a peut-être été assez rapide. Oh! Le Luigi sort! Moi, je voulais voir Peach ou Mart. Ah, moi, je suis tellement content de l'avoir joué le bonhomme vert. Qu'importe Luigi. Hey, j'ai pas vu ça en bracket depuis très longtemps. On a vraiment vu un Floaties avantage Ardodge dans le vide. Oh, oh là, on smash. C'est drôle parce que tu vois tout de suite le Fox en lui qui sort dès que quelqu'un est sur une plateforme puis commence à faire des back air là. Ouais. C'est pas le genre, c'est pas ce que Big Fish fait, puis Big Fish a des extensions qui ont tendance à être plus naughty un peu. Oh! Tu sais c'est une petite affaire chez Nelligan de Luigi ou... C'est une bonne question. Oh! Ah, les cyclones en neutral. Yeah, ouais, faut que tu rendes le fair difficile. Ouais. Petit ledge dash raté, mais c'est pas grave. Oh, des beaux nidels. Ou qu'on espère avoir mis Misfire pour passer en dessous. Ah ouais, ça aurait été quand même très cocasse. Oh! Mais surtout qu'il était quand même rendu à beaucoup de Misfire, fait voyons, de side B, fait que ça devait s'en venir. Ben! Légitime de penser que ça allait arriver. Lorsque, si tu gambles comme ça, j'avoue que. Une seule personne peut gamble de même, et c'est Big Fish. Important de savoir que le gamble, rien ne se pratique. Ah oui. Moi j'aime ça le monde qui disent « Ah ben là, ça fait longtemps que la machine n'a pas donné d'argent, fait qu'elle va donner de l'argent bientôt. » C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme Genshin Impact, t'as pas des pili mécaniques sur les machines de loterie là. Faut juste passer sur le bouton à l'arrière de la machine. Il y a un bouton victoire automatique. Oh! Ah man! J'ai vu une vidéo récemment qui m'a tellement fait rire. C'était écrit « This was the best generation, not a cell phone inside. » C'est juste plein de vieux qui touchent à des écrans de casino. On a toutes nos faiblesses dans les générations, ouais. Ouais. Moi, c'est Melee. Oh non. C'est la pire. J'aime vraiment pas le silence qui est venu après qu'il ait dit ça. Je suis désolé, les gens à la maison. C'est correct. Holy Pipe qui a l'air concentré. Moi, il a pas son petit sourire habituel de quand il joue là. Non. Je suis vraiment intrigué pour la raison pour laquelle il a sorti Luigi. Je pense qu'il a envie de le remainer. Peut-être. Mais je pense pas, ça fait pas. Ouais, je pense que ça fait pas avec son playstyle en ce moment. Il avait vraiment dit en plus, il avait droppé parce qu'il se sentait comme bloqué. Ouais, des fois t'as le personnage qui fait juste pas avec toi, puis faut que tu l'acceptes. Ouais.
Big Fish a refusé d'accepter ça. Oh, le trade! Ouf! Oh, attends, c'est en sa faveur. Il est vraiment allé le tout pour le tout là-dessus. Oh, les footies! Fair out of shield, wow! Ouais, t'as-tu vu les footies? Ah oui, c'est des footies. C'est legit des footies! Ça, c'est des footies en esti, ça là, là. Des belles footies! Oh oui, là, upper. Eh oui, là, ça kill. Tellement cool. Down throw, upper, actually. Ah oui, ça feel good. Oh! On a vu la. Oh non, non. Ouais, avec Sheik, ça dans ce matchup là, faut que t'apprennes à accepter que quand tu fais des down throw, ça va soit être juste un 2-hit combo. Down throw, un aerial, back to neutral. Plus tard, par contre, tu peux commencer à Shark, c'est là que c'est des fun. Oh, 69. Ah. Oh, le boop, t'es une idée. Ah, il a juste passé en dessous. Ouais, oh, ça va être dur à recover. Il peut que lancer la machine. Oh. Oh. Oh, il t'a envie. Oh, peut-être plus pour longtemps. Oh, beau snipe. Ouais, ça va lui donner la game. Ah. Tu vas ressortir Fox? C'est une bonne question. Peut-être qu'il va sortir. Moi, je ne sortirais pas Peach parce que c'est vraiment pas un winning matchup pour Peach. Ah oui, ben, ça dépend. Les Peach vont dire que c'est horrible, les Sheik vont dire que c'est 50-50. Alors, on retourne sur Fox. Peut-être qu'ils voulaient pas. Peut-être qu'ils tentaient pas de rejouer Fox sur Battlefield, puis en fait, you know what, j'ai joué Luigi, mais après ça, j'aurais mon counter pick. OP. Ouais. Mais Kepas nous a prévenu que aujourd'hui, Weekly était. Il allait improviser sur ses character picks. Ah ouais? Ouais. Fait que c'était vraiment prévu, là. Non, c'était pas prévu. Ok. Mais moi, Vinny m'a dit qu'il était pas mal à. En caractère Crisis. Ouais, il l'est. Il réfléchit à des personnages qui pourraient peut-être jouer à la place de Fox. Parce qu'il a l'impression que c'est pas. Il a l'impression que je pense qu'il développera pas l'habileté mécanique pour faire usage des forces de Fox, même s'il fait déjà usage des forces de Fox. Donc à la place, il veut chercher un personnage qui récompense plus les choses que lui veut développer en tant que joueur. Ça va utiliser Fox, c'est juste. Ça va placer ton Up Smash, ton Shine et ton Up Air. Ouais, rien de plus, tout. Mais tu sais, qu'importe, fait pas beaucoup de shine pressure, là. Tu sais, les run-up double shine grave, là. T'es pas obligé, là. T'es pas obligé de jouer à la Moki, là. Tu joues à l'Armada qui fait des affaires pour moi, simples. Pour moi, Moki, c'est utiliser side B non ironiquement dans des combos. Ouais. Pour moi, c'est ça, le Moki spécial. Moki qui parlait de peut-être plus se concentrer sur une carrière de content creator. Qui ça? Moki. Mais là, le problème, il disait, c'est comme. Ben, oh! Nice catch! Le slide-off catché avec le down tilt. Ça, il disait, il aurait envie de se concentrer là-dessus, mais en ce moment, il est tellement genre sur un pop-off de genre. Il est rendu top 5, je pense, quasiment. Ouais, moi, je dirais de continuer de jouer compétitivement, puis de gagner de l'attention avec son talent. Puis après ça, ben, s'il sent qu'il y a un déclin, puis il a plus envie de mettre le temps sur Melee, ben là, il peut switch à content creation. Puis en plus, il est dans Moist Mogul, fait que c'est sûr que. Ouais. Je pense qu'il s'entend super bien avec Ludwig, fait que. Ah oui, non, si il switch à content creation puis qu'il fait qu'il est dans Moist Mogul qui sont littéralement axés sur le content creation. C'est ça, là. Il était à la bonne place là. Eh hey, mais c'est. À moins que les pipes prennent la stock sur cette guard là. Oh! Oh le sakurai! Tellement! Oh le sakurai! Insane en effet! Fox! Oh mon dieu! Character crisis solved! Est-ce que. Qu'importe, le stream nous demande, est-ce que t'as résolu ton character crisis avec ces deux stocks-là? Alors... Oui, le bonhomme est fucking insane.